Dernier sujet, la librairie Les Deux Cités, Mathieu Bock-Côté à Nancy, qui se présente comme une librairie enracinée, a été attaquée ces derniers jours et même toute l'année dernière par des antifas dans l'indifférence générale. Hier, avant-hier, lors de la manifestation contre la réforme des retraites pour célébrer, non, hier, pour la journée du 8 mars, pardon, un journaliste de Boulevard Voltaire voyait quant à lui son micro brisé et encore une fois dans une indifférence qu'il est difficile de ne pas trouver suspecte. Violence, silence, indifférence. Ah, mais absolument, il faut le nommer. Hein. Et pourquoi on parle de ça? Parce que personne d'autre n'en parle. On parle d'une librairie à Nancy, Les Deux Cités, une librairie conservatrice pour l'essentiel, donc du point de vue de ses adversaires, une librairie fasciste d'extrême droite, comme d'habitude en toutes circonstances. Fondée en 2020, en octobre 2020. Avant même d'être fondée, il y a des protestations dans les journaux et des manifestations pour empêcher cette librairie de naître. Donc on ne tolère pas. Et là, je précise que pendant les mois qui vont suivre son ouverture, il va y avoir des manifestations, des attaques, une volonté de la neutraliser, de la condamner à la ruine, à la ruine économique, avec des antifas qui vont faire des tags et tout ça. Et tout, bon, à partir de, je précise, jusqu'en juin, juin 2022, c'était plutôt tranquille. Il y avait repris un peu de l'oxygène. Et là, depuis quelques jours, c'est le retour des persécutions par les antifas qui organisent des manifestations, je le redis, contre une librairie. Une manifestation contre une librairie. Je précise qu'à Paris, ça existe aussi devant une librairie qui s'appelle la Nouvelle Librairie, où donc quand on regarde les vitrines, elles sont brisées. Elles sont brisées parce que les antifas ont attaqué. Librairie marquée à droite, encore une fois. Mais qu'on m'explique, est-ce qu'il est légitime d'attaquer les librairies dites marquées à droite parce que apparemment elles sortiraient du périmètre de la pensée autorisée? J'ajoute, soit dit en passant, que leur site, parce qu'il y a aussi des espèces de petites persécutions silencieuses avec ça, leur site internet, hein, le fournisseur décide apparemment de ne plus le soutenir. Ils ne peuvent plus présenter un présentoir devant la librairie, apparemment c'est un problème, mais tous les autres commerces le peuvent. Quoi qu'il en soit, des antifas s'en prennent à une librairie à Nancy dans l'indifférence généralisée. Où sont les pouvoirs publics? Où sont les autres libraires? Où sont tous ceux qui auraient d'une manière ou de l'autre une solidarité naturelle envers une librairie, quelle que soit son orientation idéologique, si orientation idéologique il y a? On a donc cette idée qu'il est légitime aujourd'hui de chercher à faire taire une librairie qui, soit dit en passant, a de tels soucis économiques à cause de tout cela, qui est obligée de lancer un appel aux dons pour se maintenir. Une attaque contre une librairie en France, pays de la littérature et de la culture. Et là, le grand milieu culturel ne se manifeste pas et les pouvoirs publics sont discrets. Il y a de quoi s'être étonné.